on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette emblématique du McDonald's, qui est... le filet au fish. Donc, pour cette recette, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Du dos de cabillaud. Ici, qu'est-ce qu'on a? De la farine. Avec? Du sel et du poivre. Alors, le sel là et le poivre là. Ok, ici on a... de la panure. Donc, de la chapelure, hein, classique, voilà. Et enfin... 2 œufs. Ok, donc bah c'est parti, on va faire la panure des poissons, et puis ensuite la cuisson, et après on passera au reste. On y go ? C'est parti. A few moments later. On va maintenant passer à la cuisson. Je vais verser généreusement de l'huile dans ma poêle. On prépare une assiette avec du sopalin. Donc là, l'huile, elle est bien chaude. On va passer à la cuisson. Ouais, c'est bien bien chaud ça. Donc, pour la sauce, on va avoir besoin de la sauce frite, de quelques cornichons, une cuillère à café de capre, une cuillère à café de sucre et un quart d'oignon rouge. On va se munir d'un hachoir, on va mettre tout ça à l'intérieur et on va mixer. C'est parti! Donc, voilà le résultat de la sauce. Elle est super bonne. J'aime beaucoup. Bah, du coup, on va passer au montage des hamburgers. C'est parti pour le montage. Donc, j'ai des pains en hamburger. Vous prenez des pains en hamburger de votre choix. Basique, sans graines, normalement pour le filet au fish. Mais après, bon. Si vous aimez du sophistiqué, faites. Hein. Donc, mes poissons que j'ai panés et du fromage cheddar, évidemment. Là, en fait, on ouvre les pains en hamburger. On va mettre les fromages et on va les passer légèrement au four. Juste quelques minutes dans un four très chaud, donc à 200 degrés, histoire que le fromage fonde un petit peu. Donc là, j'ai mon pain du coup qui sort du four, donc le fromage il a assez fondu. Ne pas le mettre trop longtemps parce que sinon ça va prendre une couleur noire des bizarre un peu, t'as capté? Là c'est juste pour qu'il soit assez fondu, là on voit bien, regarde, il fripe et tout, t'as vu? Du coup, on rajoute la sauce, c'est parti. Plus ou moins généreusement, ça dépend à quel point tu kiffes la sauce filet au fish, t'as capté? Moi, j'aime bien ça. Et là, je referme. Et tu peux déguster ton magnifique filet au fish. Merci. Donc, on va vous montrer la découpe du filet au fish. Donc là, le poisson il est très bien cuit, la sauce ça dégouline, le fromage c'est parfait. Bon appétit!